الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتم في كتاب شعب الإيمان الشعبة العشرون في الطهارات. Nous continuons dans le livre Shu'ab al-Iman. On est à la branche, à la 20e branche de la foi, les purifications. Tahara تشمل الوضوء والغسل من الجنابة والاستنجاء وإزالة النجاسة والتيمم ونحوه. روى البيهقي بالإسناد عن حمران عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبد الواحد. Alors, البيهقي a rapporté par une chaîne de transmission jusqu'à Humran, il rapporte de Uthman رضي الله عنه que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit: c'est lui qui a fait le wudu et qui l'a bien fait, ses péchés, c'est-à-dire ses petits péchés, sortent de son corps jusqu'ils sortent de, au-dessous de ses ongles. Ce hadith encore a été rapporté par Muslim, par une autre chaîne de transmission de par l'intermédiaire de Abd al-Wahid. وهنا يعلم أن الوضوء يكفر الذنوب الصغيرة. يعني الوضوء فيها أجر عظيم. Dans le fait d'accomplir le wudu, il y a une grande récompense. Et lorsque la personne fait le wudu, les petits péchés sortent de son corps. وفي حديث آخر رواه البيهقي عن أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، يعني الراوي شك هل الرسول قال المسلم أو المؤمن، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Alors le Bayhaqi a rapporté par une chaîne jusqu'à Abu Huraira radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète alayhi salat wa salam a dit: celui qui, si l'esclave musulman a fait le wudu et il a lavé son visage, alors sort de son visage tout péché qu'il a fait par ses yeux, avec l'eau ou avec le dernier goutte d'eau qui tombe, alors ça fait sortir les petits péchés qu'il a fait par ses yeux. Ou, et lorsqu'il lave ses mains, sort de ses mains tout péché qu'il a fait par, ou qu'il a accompli par ses mains, avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau qu'il a fait, jusqu'il sort propre de ses péchés. Et on a dit, ça veut dire les petits péchés. إذن رجوع إلى الحديث الذي ذكرناه في هذه الشعبة سابقا: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يؤيد. Parce que encore ça a été dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, ça a été rapporté que سيدنا محمد a dit: celui qui a fait الوضوء, comme ça a été ordonné, c'est-à-dire d'une manière complète et parfaite, et il a prié comme ça a été ordonné, c'est-à-dire d'une manière complète et parfaite, sort où ses péchés seront pardonnés, les péchés qu'il a fait auparavant. Ça veut dire les petits péchés qu'il a fait auparavant seront effacés. أيضا روى البيهقي بالسند عن عبد الله
الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. Alors le Bayhaqi a rapporté de Abdullah al-Sanabihi que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: si l'esclave a fait al wudu, alors lorsqu'il rince la bouche, alors les péchés sortent de sa bouche. Et lorsqu'il aspire par le nez, encore certains péchés sortent de son nez. Lorsqu'il lave son visage, les petits péchés encore sortent de son visage, jusqu'ils sortent de sous les cils de ses yeux. Et lorsqu'il lave ses mains, alors les péchés sortent de ses mains, jusqu'ils sortent de sous les ongles de ses mains. Et lorsqu'il essuie la tête, alors les péchés de la tête sortent jusqu'ils sortent de ses oreilles. Et lorsqu'il lave ses pieds, alors les petits péchés, Al-Khataya en parle ici toujours, les petits péchés sortent de ses pieds jusqu'ils sortent de sous les ongles de ses orteils ou de ses pieds. أيضا هذا يدل على النعمة العظيمة للمؤمن في الوضوء فلا ينبغي الإنسان أن يتكاسل عن فعله. Alors c'est un grand bienfait le fait de faire les ablutions. ليس أمرا شاقا, c'est pas une chose qui est difficile, ça ne prend même pas une minute, et il faut pas avoir le وسواس en utilisant beaucoup d'eau. الوضوء ليس أمرا صعبا لا يأخذ وقتا طويلا ولا ينبغي للعبد أن يكون موسوسا فيستعمل ماء كثيرا لأن هذا مكروه. هذا إن كان من ماله, أما إن كان من مال غيره أو من مال المسجد فأسرف فلا يجوز. وأيضا روى البيهقي بالسند أن أبا عبيد قال له: حدثني حديثا أو قال عن أبي عبيد مولى سليمان عبد الملك. أبو عبيد الإسكلاف أفرانشي دو سليمان فيس دو عبد الملك دو عامر فيس دو عبسة. أبو عبيد قال له, أبو عبيد أدي حدثني حديثا سمعته من رسول الله, راكونت موا un hadith que tu as entendu de la part du messager de Dieu عليه الصلاة والسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. C'est-à-dire j'ai entendu pas seulement une fois, pas deux, pas trois, c'est-à-dire plus que fois, trois fois, que le prophète disait: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض واستنشق تناثرت الخطايا من فيه ومن خره. فإذا غسل وجهه تناثرت الخطايا من أشفار عينيه, فإذا غسل يديه تناثرت الخطايا من أظفاره, فإذا مسح رأسه تناثرت الخطايا من شعر رأسه, فإذا غسل رجليه تناثرت الخطايا من أظفار رجليه, فإذا انتهى عند ذلك كان ذلك حظه من وضوئه, فإن قام وصلى ركعتين يقبل بقلبه وطرفه إلى الله خرج من الذنوب كما ولدته أمه. ورواه أيضا أبي أمامة عن عمرو بن عبسة عن النبي, ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم. يعني مسلم رواه من طريق آخر. Alors le Bayhaqi a rapporté, on a dit que Abu Ubaid, c'est l'esclave affranchi de Suleiman, fils de Abd al-Malik, de Amr, fils de Absa, que Abu Ubaid a dit à Amr, fils de Absa, raconte-moi un hadith que tu as entendu le prophète, alayhi salatu wasalam. Il lui a dit, c'est pas une fois, c'est pas deux, c'est plus que ça, j'ai entendu le prophète dire, si l'esclave croyant a fait l'wudu, et il a rincé la bouche et il a aspiré l'eau par le nez et il l'a yani, et il l'a évacué, alors les petits péchés sortent de sa bouche et de son nez. S'il lave son visage, les petits péchés sortent de ses cils de ses yeux. Et s'il lave ses mains, les petits péchés sortent de ses ongles. Et s'il essuie la tête, les petits péchés sortent de
de ses cheveux. Et s'il lave ses pieds, alors ses petits péchés sortent de les ongles de ses pieds. Et s'il a terminé, une fois qu'il fait tout ça, voilà sa part de l'wudu. Voilà ce qu'il a obtenu de son wudu. Alors s'il se lève et il fait deux rak'at, en ayant la sincérité et le recueillement par le cœur, et ses yeux ne bougent pas à droite à gauche, c'est-à-dire il est vraiment concentré dans la prière, par le cœur et par ses membres, il n'est pas en train de regarder à droite à gauche, alors il sort de ses péchés comme celui qui est le nouveau-né. Toujours on parle ici que ses petits péchés seront effacés, et on parle que Abu Umama l'a rapporté de ce compagnon qui s'appelle Amr, fils de Absa, qu'il a entendu le prophète, alayhi salatu wasalam, et Muslim l'a rapporté par ça, par cette chaîne de transmission. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاث مرات. هذا الحديث رواه البيهقي أخرجه مسلم ذكره النووي في رياض الصالحين. Hadith azim, c'est un grand hadith. Vraiment, si la personne médite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Que Al-Ala, fils de Abu Abdurrahman, a rapporté de son père Abdurrahman, de Abdurrahman Musakhr Abu Huraira, de Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, a dit: voulez-vous que je vous indique qu'est-ce que, par quoi Allah Ta'ala efface les péchés et vous élève en degré? Le fait de faire le wudu d'une manière complète, même si des fois vous trouvez des difficultés parce que voilà, pour bien faire, laver les pieds, laver même si c'est froid, même si tu essayes de faire ton wudu d'une manière complète et parfaite. Et le fait de souvent faire des pas vers la mosquée, le fait de faire souvent les pas vers la mosquée, c'est-à-dire aller prier dans la mosquée, et le fait d'attendre la prière après la prière. Des fois tu viens, tu pries, tu dis bon, j'attends, comme celui qui vient au Maghrib et il attend le Isha, ou des fois il rentre à la mosquée, il a fait le Zohr et il attend l'Asr par exemple, il n'a rien. Alors le fait d'attendre la prière après la prière, alors il a dit فَذَلِكُمْ الرِّبَاطِ, c'est-à-dire c'est comme celui qui garde la frontière lorsque tu es à la mosquée et tu attends la prière. Tu dis non, je ne sors pas, j'attends la prière avant de sortir. C'est comme celui qui garde la frontière des musulmans. Le hadith est rapporté par le musulman. وروى البيهقي أيضا عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه قال رقيت مع أبي هريرة يوما على ظهر المسجد. إلى دي عبد الله المجمر que j'ai été au-dessus de la mosquée avec Abu Huraira, وعليه سراويل من تحت قميصه, il avait des pantalons qui avaient sous son abaya, son قميص, فنزع سراويله ثم توضأ. Alors il a enlevé l'habit qu'il avait sous le qamis et il a fait le wudu. Faghassala wajhahu, il a lavé le visage, wa yaday, et il a lavé les mains, wa rafa'a fi 'ududayhi al-wudu, c'est-à-dire il a lavé au-dessus de coude. C'est ça l'adud, il a lavé, rafa', c'est-à-dire il a lavé cette partie. Wa ghassala rijlayhi fa rafa'a fi saqayhi al-wudu, il a lavé les pieds et il est allé un peu loin vers ses tibias, vers ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري في الصحيح. Alors il a dit Abu Huraira, après qu'il a lavé bien au-dessus de coude et au-dessus de cheville, il a lavé, il a pris un peu là-haut. Et il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire que ma communauté vient le jour du jugement en ayant une lumière autour de leur visage. C'est ça le ghurra. Ça ressemble à eau blanche que tu trouves dans le visage du cheval. Et muhajjalin, tu trouves encore
dans les pieds du cheval, dans les pattes de cheval, encore des taches blanches en bas. Alors les mains du croyant de cette communauté et au-dessus de ses pieds auront une lumière qui ressemble à ce cheval qui a des taches blanches dans son visage et au-dessus de ses pattes. Alors le prophète Mohammed sait que ces gens-là sont de sa communauté du fait qu'ils ont cette lumière, parce que c'est une chose qui a été spécifiée pour notre communauté d'aller un peu plus haut, et ces endroits auront cette lumière, le hadith rapporté par le Bukhari. Even ummat an-nabi alayhi salatu wassalam yub'athuna ghurran muhajjalin min athar al-wudu', yani athar az-ziyada allati yazidunha hawla al-wajh fatunawwar fayuqal hadhihi ghurra ka ghurrat al-hisan wa az-ziyada allati yazidunha fawqa al-mirfaq wa fawqa al-ka'bayn fatunawwar fa hadha yushbihu at-tahjil alladhi yakunu 'inda al-hisan. أيضا روى البيهقي عن إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقابر. Alors le Bayhaqi a rapporté par une chaîne jusqu'à Abu Huraira que Sayyidina Muhammad est venu vers le cimetière. فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. Et il a dit, adressé le salam aux croyants qui sont dans le cimetière. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. Et nous on va vous arriver bientôt encore on sera avec vous. وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواننا لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غير محجل بين ظهراني خيل دهم بهم دهم بهم ألا يعرف خيله فقال بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أخرجه مسلم أيضا عن يحيى بن أيوب وغيره. Alors le hadith qui a été rapporté par le Bayhaqi, encore qui a été rapporté par Muslim, que Sayyidina Muhammad est venu vers les tombes dans le Baqi', il a adressé le salam aux croyants, dara qawmin mu'minin. Il a dit, on va vous rejoindre par la suite, mais c'est Allah qui sait à quel moment nous, on va vous rejoindre. Il a dit, j'ai souhaité si j'ai vu mes frères. Il a dit, mais ô messager de Dieu, nous ne sommes pas tes frères. Il a dit, vous êtes mes compagnons. Et mes frères, c'est-à-dire ceux qui vont venir après, je ne l'ai pas encore vu. Alors ils ont dit, mais comment tu vas connaître tes frères de ta communauté, ô messager de Dieu? Il a dit, s'il y avait un homme qui avait si l'homme avait des chevaux qui ont cette tache blanche sur le visage et qui ont les taches blanches sur les pattes, et ces chevaux, ils sont dans d'autres qui sont vraiment rouges ou noirs, ils n'ont pas de taches. Il ne va pas la personne connaître ses cheveux. Ils ont dit, mais bien sûr. فقال عليه الصلاة والسلام فإنهم يعني إخواننا إنهم يأتون غرا محجلين c'est-à-dire mes frères, c'est-à-dire de sa communauté qui les a pas encore vus, il va les trouver le jour du jugement en ayant cet aspect, en ayant une lumière autour de leur visage, en ayant une lumière au-dessus des coudes et au-dessus de cheville. Et ça, c'est une signe que le prophète connaît que tous ces gens-là font partie de sa communauté. Et pourquoi cette lumière? C'est à cause de l'wudu, grâce à l'wudu. Hada min fadl al-wudu. Wa yakun an-nabi ish huwa yani yalqahum ala al-hawd, il les trouve vers le bassin duquel sa communauté vont boire. طيب. ويروي البياقي أيضا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع
أبا ذر أو أبا الدرداء قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأرفع رأسي فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم. Alors de عبد الرحمن fils de Jubair fils de Nufair qu'il a entendu Abu Dhar al-Ghifari et Abu Darda disaient tous deux que le prophète alayhi salat wa salam a dit je suis la première personne qui aura la permission de se prosterner le jour du jugement et je suis la première personne qui a la permission de se lever après de la tête après le sujoud. Il a dit je lève ma tête et je regarde devant moi alors je connais ma communauté de parmi toutes les autres communautés. فقال الرجل فكيف تعرف أمتك من بين أمم a dit un homme et comment tu vas connaître ta communauté de parmi les autres communautés من ما بين نوح إلى أمتك يعني من depuis نوح jusqu'à ta communauté. قال غر محجلون من أثر الوضوء. Il a dit ils ont cette lumière autour de leur visage et ils ont cette lumière au-dessus de coude et au-dessus de cheville. لا يكون لأحد من الأمم غيرهم. Ces signes ne sera pas pour d'autres personnes ou ne sera pas dans les autres communautés. Ça, c'est un signe pour la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. Alors il a dit, et je les connais encore par les... par le fait qu'ils auront leur livre par la main droite, c'est-à-dire une grande partie parmi eux, et je les connais encore par la lumière qui se dégage de leur visage grâce au sujoud aussi. هكذا. وروى البيهقي أيضا عن طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهن. قلت وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. Alors, البيهقي a rapporté de Talha fils de Nafi, il a dit Abu Ayyub m'a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit les cinq prières et le Jumu'ah, c'est comme tu dis, les cinq prières, yani, entre une prière et l'autre, tu vois, ces prières-là font effacer les péchés, du Jumu'ah au Jumu'ah. Le Jumu'ah fait effacer les péchés, les petits péchés. Et encore le fait d'être honnête, d'exécuter l'amana. On a dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui est voulu par ça? Il a dit le fait de se doucher après le janab, de faire la douche obligatoire après les rapports intimes ou après la sortie du mani. Ça c'est al-amana. Warad tasmiyat anna al-ghusl min al-janaba amana bima'na amanatun fi 'unuqika la tusalli qabla an taghtasil, c'est-à-dire tu ne rentres pas dans la prière si tu es junub, mais plutôt tu fais la douche avant de prier. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.